Salut à tous. Ouais, aujourd'hui tu t'attendais à ce que on fasse les carburateurs du Pins Goer. Bon, les carburateurs, je les ai coincés, je te rassure. Hein. Mais je peux pas te montrer que je démonte un carburateur juste. Alors pour ça, on va quand même continuer à travailler un peu sur le Pins parce que si tu veux, c'est une poutre centrale avec. C'est pas des ponts, mais. C'est des trucs sur engrenage, bon bref. Et si tu veux, la jonction entre... Ah ben, le mieux, c'est que je te montre. Donc là, on est sur l'avant du Pins Goer. Alors, comme tu peux voir, la roue. Hop. Le noeud de cardan, là-bas. Hop, ça rentre, ça va dans le différentiel. Et tu as vu, tu as un joint ici. Enfin, un joint, un soufflet. Qui est complètement déchiré, regarde. Hein, le soufflet est déchiré. Là, on est à l'arrière, et comme tu peux voir, celui-ci, il est bien mort. Hein. Voilà. Tu as vu les espèces de soufflets jaunes que je t'ai montrés, sont spécifiques. En fait, côte, ils sont fermés. Si tu veux, tu as eu, ça, ils s'ouvrent. Mais les autres, ils sont fermés. Donc, du coup, il faut sortir la roue et le bloc. Et ben, enfin, tout le bloc roue, il faut le sortir pour remplacer les soufflets. Donc, les soufflets jaunes que tu as vu installés, ils sont 10 fois plus solides que ça. Ça, on va dire que c'est comme des soufflets de cardan traditionnels, c'est universel, là. Voilà. On va dire que c'est cette qualité-là que j'en ai lu. Alors moi, pour l'instant, si tu veux, comme je ne vais pas tout démonter, je vais mettre cela. C'est fait d'un seul morceau. Ça, c'est moi qui l'ai coupé, forcément. Ouais, c'est assez dur comme truc, mais bon, tu vois, il était temps de les changer. Ouais, parce que si tu veux, quand tu as de l'eau qui rentre là-bas dedans, ça te rouille tout, c'est de la merde. Bon, de toute façon, on va descendre en dessous et je vais te montrer. Voilà, tu vois, quand tu enlèves le soufflet, ben, tu te retrouves avec ça. Bon, tu comprends bien que il faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre là-dedans, machin, ainsi de suite, tu vois. Parce que sinon, ça va tout pourrir. Et tu vois ce que je te disais, pour le changer, celui d'origine, tu vois, il faut défaire tout ce qui est amortisseur, tout ce qui est ressort, machin. Et après, ce truc-là, le bras, là, complet, il sort. Alors, j'avais vu un truc, je ne sais plus trop où. En fin de compte, pour sortir le bras, c'est une tannée. Il faut un outil spécifique avec des quoi s'appelle des trucs qui le poussent, qui l'écartent comme ça pour que ça puisse sortir. Bon, bref, tu comprends bien pourquoi je fais avec des petits machins à la colle, là. Tiens, une particularité sur ces joints-là. Alors sur celui-là, est-ce qu'on va le voir comme il est découpé? Non, on ne le verra pas. Mais sur celui-là, on va le voir. Ouais. Tu as vu le dessous comme je t'ai montré? Si tu veux, c'est ovale. C'est ovale. C'est pas rond. C'est ovale. Bon, j'exagère énormément pour que tu puisses comprendre. Donc les joints sont ovales aussi, si tu veux. Ils ont un sens de montage. Ici, tu as les vis de fixation, là. Eh bien, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est... Il y a un sens de montage, parce que si tu les montes pas dans le bon sens, ben, la forme ovale, ici, ne sera pas bonne là-bas, dessous. Donc ça fait que quand ton truc il va travailler, ben, tu risques de déchirer le soufflet parce qu'ils sont taillés pile-poil aux cheveux de fesse, hein, au poil de cul, comme on dit. Voilà, le premier est installé. Alors, hop, là, il faut faire bien passer le collier derrière les vis, torx, là, tout le tour. Là-bas, machin, bon, bref, je te fais pas de dessin. Bon, comme tu peux voir, là, on est de l'autre côté, avec les vis. Tu vois, ici, il y a la jointure, là. Pile poil. Bon, t'as vu dessous, au niveau des vis. Tu vois, les vis sont comme ça. Les colliers. Ils viennent ici, hein, et derrière. Par contre, tu vois là devant, même si tu colles, tu vois comme ça s'écarte. Alors attends, hop, on va fermer ça. Tiens. Au niveau de la jointure, tu le vois le jour qu'il y a là. Tiens, voilà. Tiens, quand j'écarte, tu le vois. Bon, là, j'exagère beaucoup pour que tu puisses te rendre compte. Mais ce jour-là, même si je colle, même si je mets bien le collier, il y a un jour,
dans le creux tout à fait en bas. Ah, comment te le montrer? Je ne sais pas comment te le montrer, mais bon, crois-moi. Donc ça fait que ceux d'origine, quand tu les mets, comme ils sont pas coupés, ça fait 100% étanche. Ceux-là, tu vas dans une flaque d'eau, ça rentre. C'est sûr et certain. D'entrée, quand je l'ai mis, je l'ai vu au premier coup d'œil. Bon, c'est logique aussi, puisque ça se... Bon, pour pallier à ça, alors pour essayer de réduire ce genre de soucis, tu as vu le mastic que je me sers pour la carrosserie? Eh bien, je vais lui en mettre un joint sur le tour là. Tu vois? Sur la fermeture là, on va mettre du joint. Parce que j'ai pas envie que de l'eau rentre. Donc, ça veut dire que il va falloir que j'achète les vrais. Il y a un jour. Il faut que je redémonte tout, que je les change. Bon, de toute façon, je pense que il va falloir un jour que je les tombe, ces blocs différentiels, et les refaire. Parce que ça fuit. Tu verras derrière, ça fuit. Donc un jour, il faudra que je tombe l'histoire pour travailler dessus. Bon, chose intéressante, tiens, tu vois. Ça, c'est un vieux qui était monté. C'est comme ce que je viens de mettre. Alors, tu vois, par contre, ils vieillissent très mal. Je ne sais pas depuis combien de temps il est monté, mais ça vieillit très mal, regarde. Ça vieillit très mal. Il était tout... Ah bah tiens, regarde, hop. Il est tout, là, au niveau des vis, là, il est tout mâchouillé, il est tout ouvert. Alors on va dire que les mêmes que je viens de monter, c'est du provisoire. Ça permet de gagner du temps. Ouais, t'as bien compris que pour sortir le bloc complet là, de la roue machin et tout, il y en a pour des siècles. Et là, j'ai pas le temps de faire ça. Bon. Voilà. Hop. Côté avant passager. Et côté avant chauffeur. Tu es en train de te demander pourquoi les vis, là, on les voit pas. Et que sur l'autre côté, on les voit. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un sens de montage par rapport à l'ovalisation du machin. Donc du coup, ben voilà. Donc ceux, ils se montent dans ce sens et puis l'autre, ils se montent dans l'autre sens. Bon bref. On m'a envoyé un cric gratos. Tu sais, c'est les crics pneumatiques. C'est tout simple, c'est un morceau 3 boudins, ça soulève 3 tonnes. Bon après, c'est pas extraordinaire. Hein. Les finitions, voilà. Après ici, t'as le bouton pour... Hop, quand tu ouvres, ça purge l'air et ça descend. Et de l'autre côté, hein, tu montes, et bien ça gonfle. C'est pas plus compliqué. Voilà. Voilà comment c'est foutu l'histoire. Hein. Oui, on va soulever pour voir ce que ça donne. Ouais, ça le soulève sans souci le pins. Hein. Clac. Hop. Sans problème, il est soulevé. Bon, par contre, est-ce que ça c'est stable comme truc? Alors, est-ce que c'est stable cette histoire? C'est pas mal quand même, hein? Parce que le pins, il pèse, je te le dis moi. Dans le garage. Ouais, je sais. C'est parce que t'es intéressé par les carbus aussi, ou c'est de ça aussi j'en suis. Alors, je sais que il y en a pas mal qui suivent le truc pour le pins grower, donc ils veulent savoir un petit peu où c'est que ça en est pour les carbus. Si toi tu viens d'arriver par hasard sur la chaîne, bon, bah t'auras l'info quand même. Alors les carbus sont là-dessous. Il y en a un qui est nettoyé, pas l'autre. Alors si tu veux, pour les carbus, j'ai reçu toutes les pièces.
Mais pour le remontage, j'ai certains doutes sur certaines choses. Donc, il faut que je téléphone à quelqu'un qui connaît les pistes goers et qui a refait ses carbus pour avoir les informations. Mais en attendant, voilà ce que ça donne. Alors, la couleur, c'est la couleur d'origine. Je l'ai juste passé au bain ultrason. Et comme il est là, hop, attends, comme il est là celui-là, tiens, pourri, j'ai démonté et j'ai mis dans le bac à ultrason. Et c'est sorti comme ça. Sans rien nettoyer, sans rien faire. Bon, pour moi, le bac à ultrason, il n'y a pas de secret. Bon, par contre, bonne surprise, il y a pas mal de choses qui sont plus que correctes dessus. Et là, le bronzage qu'il y a dessus, tu vois, c'est le carbu. C'est le bronzage d'origine, ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas bien vieux. Alors, est-ce qu'ils sont d'époque, de quand, je sais pas. Mais tu vois, c'est le bronzage d'origine, ça. Ça veut dire que les carbus sont pas vieux. Enfin, qu'ils sont pas vieux. Que ça n'a pas été mal entretenu. C'est surtout ça. La prochaine étape, j'espère pouvoir te montrer les carbus remontés sur le Pins Goer. Et on essaye de redémarrer tout ça et de régler le carburateur sur le Pins. Voilà. On essaiera de faire ça.